Je peux vous parler? Je sers la déesse et ses ouailles. En quoi puis-je vous aider? Vous êtes Svana? Je viens pour les chevauchées héroïques. Tout le monde peut participer ou c'est réservé aux fidèles? Freya, dans sa grande bonté, accepte tout homme assez brave pour risquer sa vie dans les chevauchées. Les chevauchées sont différentes des courses du continent. Une seule règle importe. Le premier arrivé remporte la course. Parfois, il s'agit du plus rapide, et parfois de celui qui a désarçonné tous ses adversaires. Ça explique le nom. Quel est le prix de l'inscription? Il vous faut du courage, rien d'autre. Si vous n'en manquez pas, accrochez un fer à cheval. Il y a une récompense pour le vainqueur? Le vainqueur se couvre de gloire et prouve sa bravoure aux yeux du monde. J'espérais une récompense un peu plus concrète. À nos yeux, ces choses ont bien peu d'importance. Mais rassurez-vous, le vainqueur ne repart pas les mains vides. Il gagne une épée, un casque ou un bouclier. Comme quoi, la religion n'empêche pas d'avoir l'esprit pratique. Un peu d'exercice, ça n'a jamais tué personne. Bon, où se tiennent les courses? Les trois premières ont lieu sur Ardskellig, pour gagner le droit de revenir sur Yndarsfjall et défier le champion de l'année dernière. Un cavalier doit gagner chaque course au moins une fois. Compris. Et comment s'appelle-t-il, ce champion? Comment s'appelle-t-elle, plutôt? Astrid de Spikrug, surnommée la Vipère. Charmant sobriquet. Et amplement mérité, croyez-moi. Bonne chance, sorceleur. Puissent vos actes satisfaire la déesse. Hjalmar Ancret est parti pour Unvik avec trois bons amis. Son arc, sa hache, seul contre le géant. Foutaise que tout ça. L'année dernière, Yov et son cheval qui sont tombés de la falaise. Ah, c'est toi. Le premier étranger à participer au chevauché héroïque. Il reste encore de la place pour cette course, si tu veux. Pourquoi pas? J'ai un bon pressentiment. Eh bien, on va voir si tu chevauches aussi bien que tu pressens. Écoutez-moi tous. La course va bientôt commencer. Pour la gloire de Freya, Oswald la Flèche, Svan le Solitaire et Geralt de Rive vont s'affronter. Serre la bride et accroche-toi à ta selle. Garde tes distances, étranger! Personne n'est plus rapide qu'Oswald, la Flèche. Garde tes distances, étranger! Personne n'est plus rapide qu'Oswald, la Flèche. Tu as gagné, comme tu l'avais annoncé. Tiens, voici ta récompense. Les barbes chanteront tes exploits. Merci, Geralt.
patraque, celui-là. Et là, le Jarl d'Indarstial sacrifie tout le troupeau aux dieux, histoire qu'ils envoient. Dans les chevauchées héroïques. Une goutte de rhum, ça vous fera rosir les joues. Mais bon, rien ne te plaît. Svana a accepté de te laisser courir, mais reste à voir si tu seras assez brave. Allons-y. Attention! Voici les cavaliers qui vont s'affronter aujourd'hui pour la gloire de Maudron Freya. Gérald de Rive, Arv le rameur et Rika la rouge. Que la déesse te garde, ou qu'elle t'offre une belle mort. Tu chevauches comme une pute. Je te laisserai pas gagner, étranger. Je te laisserai pas gagner, étranger. Et le vainqueur est Gérald de Rive. Un tel exploit mérite une belle récompense. Tiens, en souvenir de cette course glorieuse. C'est du sérieux avec cette sorcière, Yennefer? Tu tombes bien, il nous manque justement un concurrent. Ça te tente? Bien sûr. Trouve-toi un cheval. Oyez, oyez! Sig le Chauve et Aegir le Puant ont été rejoints par Gérald de Rive. Les chevaux sont prêts. Gangrène s'est installé dans sa jambe après une chute de cheval. Impossible. C'est tout. Je ne peux pas aller plus vite. Écoutez-moi tous. Gérald de Rive a gagné la course. Tu t'es couvert de gloire, sorceleur. Et tu as gagné une belle récompense. Il ne te reste plus qu'une chevauchée à gagner, sur Indarsfjall. Si tu as la même fougue qu'aujourd'hui, tu as toutes tes chances. Pour tout vous dire, je ne vous pensais pas capable de gagner la moindre course. Et vous en avez remporté 3. Vous pouvez maintenant participer à la grande chevauchée. Êtes-vous prêt? Je suis toujours prêt. Allons-y. Prudence, l'honneur est à la mesure du danger. Le moment est venu pour la grande chevauchée. Gérald de Rive et la championne de l'an passé, Astrid la Vipère, s'affronteront en l'honneur de Freya.
Tu l'es, Rablet. Geralt de Rive a vaincu Astrid la Vipère. Contre toute attente, le Loup Blanc est le nouveau champion des chevauchés héroïques. Belle course. La déesse doit être contente. Et vous aussi, j'espère. Voici votre récompense. Je dois avouer que j'ai connu pire. Je ne sais pas où je serai dans un an, mais je vais essayer de revenir.